Claude Guillemin, Louise Naubert, bonjour. Bonjour. Première question, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en 1984. C'était à l'atelier du Centre national des arts, là où se trouve maintenant la nouvelle scène sur la rue King Edward, c'était l'atelier. Et c'était une pièce écrite par Isabelle Cauchy, qui est la compagne de Michel Garneau. Et c'est Michel Garneau qui faisait la mise en scène. Et c'était, ça s'appelait Lily. C'est une adaptation d'un roman d'Edith Wharton. Et j'y tenais le premier rôle. Puis Claude faisait la conception d'éclairage pour ce spectacle-là. Parce que j'étais directeur technique. Parce qu'il était directeur technique à l'atelier. Et c'est comme ça. Puis on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à ce moment-là, mais moi, je suis parti du Centre national des arts à peu près à cette époque-là parce que c'est l'époque où le Centre national commençait vraiment à faire des coupures. Mm-hmm. Et puis la saison suivante au Centre, à l'atelier, j'avais signé un contrat, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas de production. Mm. Donc, j'étais rendu doorman à l'atelier du Centre national des arts. Fait que je me suis trouvé du travail ailleurs, à St. Catharines, en Ontario. Et puis, 2 ans plus tard, on s'est retrouvés au Centre des arts, par hasard. On est allé voir un spectacle. Puis, C'est le coup de foudre? Non, pas vraiment. Non. Mais pas pour rien. Non, j'entrerai pas dans les détails, mais pour moi, ça n'a pas été concluant, vraiment. Mais c'est par la suite j'ai appris l'apprécier. Moi, c'était depuis le début que j'étais en amour. Ça faisait des années que je pensais à elle. Claude, vous avez grandi, votre adolescence était à Toronto, en tant que francophone. Comment c'était dans ces années-là, grandir à Toronto et être francophone? Bien, c'était l'exemple parfait de l'assimilation. Et, moi, j'étais allé au secondaire à Étienne Brûlé, puis tout le monde parlait anglais tout le temps. Même d'un cours, si on se parlait en anglais d'un cours, en autant que le prof ne nous entendait pas. Puis même là, c'était une époque où il n'y avait pas de culture francophone à Toronto. Et puis, en sortant d'Étienne Brûlé, j'avais aucune idée jusqu'à quel point j'étais assimilé. Alors, à quel moment est-ce que vous avez accroché, disons? Accroché... À la culture. Francophone? Oui. Ouf, après, à cause de Louise. Non, c'est parce que c'est vrai, je veux dire, c'était pas un fossé culturel, un gouffre culturel entre nous. Un océan. nos antécédents n'étaient pas les mêmes, nos références culturelles n'étaient pas les mêmes. Puis, quand on a emménagé ensemble à Toronto, en 87, quand on a commencé à avoir des petits accrochages de couple, lui, c'est en anglais, spontanément. J'ai fait, minute, là, si j'avais voulu vivre avec un anglophone, j'aurais fait bien avant toi. Il n'est pas question qu'on se parle anglais à la maison. Ma culture, t'es américaine. Ouais. Tout ce qui est comme la culture de bien des gens, même aujourd'hui, là, ça n'a pas beaucoup changé. La culture, t'es américaine et la culture de Louise, c'est québécoise et française. Donc, ça ne se rencontrait pas, mais pas du tout. Bien, c'est ça, Louise, vous êtes originaire de Hull. Ah, ben c'est ça, dans l'Ottawa, mais côté québécois. C'est ça, vous avez travaillé à Montréal, à Ottawa. Un choc pour vous d'arriver à Toronto? Ah oui, c'était un choc. Bien, premièrement, c'est la population. Je veux dire, déjà à l'époque, je parle d'il y a 20 ans, plus de 20 ans, il y avait déjà beaucoup plus de monde à Toronto qu'il y en avait à Montréal ou à Québec ou dans l'Ottawa. Et le fait que je me trouvais plongée dans un univers vraiment majorité anglophone où c'était pas possible de transiger en français dans les magasins. Mm-hmm. Je trouvais ça très, très frustrant. Et côté culturel, je me rendais compte que la culture anglophone, anglo-canadienne, avait pas une identité aussi affirmée que la culture québécoise. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais, mais tout à fait. Je me suis rendu compte que c'est vraiment d'excellents comédiens anglo-canadiens qui n'ont pas la reconnaissance du milieu même, et ni même du grand public. Et j'ai compris que c'est parce qu'ils partagent la même langue et que, bon, la culture américaine est vraiment très, très présente. Là, vous êtes ensemble à Toronto, années 80. À quel moment est-ce que vous avez décidé, bon, bien, on va partir une compagnie de création, c'était l'éclectique? À l'époque, bien, c'est ça. C'est que, bon, moi, je travaillais, puis je travaille toujours comme pigiste, comme comédienne pigiste, donc je retourne travailler au Québec, je travaille aussi dans l'Outaouais. Mais ça me manquait énormément parce que moi, j'avais travaillé aussi en création théâtrale quand j'étais dans l'Outaouais pour le Centre national des arts à Ottawa. C'était des développements de textes qu'on faisait à l'atelier.
Puis je trouvais rien de ça ici à Toronto en français, beaucoup en anglais par contre, mais pas en français. Et puis ça me manquait véritablement. Puis à l'époque, c'est ça, c'est un collectif d'artistes. Il y avait mon frère Claude Nobert, il y avait Pierre Péloquin, il y avait Serge Hamelin. Serge Olivier qui s'appelait Hamelin à l'époque. Gabriel Dubé. Puis c'était pluridisciplinaire et ça se voulait une compagnie de production. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a certaines personnes comme Claude, ne pouvaient pas d'ailleurs parce qu'il y avait un conflit. Il était... Ah, je ne sais pas. L'IDEA, à l'époque, il était représentant de l'Union des artistes. En tout cas, il y a des gens qui à un moment donné, se sont désistés. Puis, finalement, avec l'éclectique, on est resté avec Pierre Péloquin, Claude et moi-même. Et par la suite, Pierre a quitté et c'est resté Claude et moi. Mais faire du théâtre de création en français à Toronto, c'était nouveau. Est-ce que ça a été compliqué de faire comprendre au public ce que vous faites, ce que vous faites. Fallait toujours. C'est ça. Ouais. Parce que les gens ont l'habitude de voir une pièce de Molière, une pièce de Tremblay, aller à la tangente, parce que ça s'appelle la tangente aujourd'hui. Ouais. C'est pas ça, là. Ouais. Bien, les gens, on dirait que les gens ont de la misère à comprendre que quand Tremblay a créé la pièce en question. C'est une création. C'est juste que c'était fait à Montréal. Et puis beaucoup, les premières, c'était André Brassard qui faisait la mise en scène. Mais c'était des créations. Il a commencé à zéro, lui aussi, Michel Tremblay, avec un texte qui n'avait pas été produit. Et nous, c'est ça. Mais on n'est pas Michel Tremblay. On n'a pas on n'est pas connu comme Michel Tremblay. Donc, les gens ne vont pas automatiquement dire « Ah, OK, il y a un nouveau texte de Guillemin qui sort. » c'est très difficile à essayer d'attirer l'attention des gens parce qu'on n'est pas connu. Je pense aussi qu'une partie du problème, c'est le fait que l'offre culturelle n'est pas diversifiée ici à Toronto en français. C'est-à-dire que du côté anglophone, il y a plusieurs compagnies dont plusieurs font de la création, donc le public a le choix. Pourtant, malgré tous ces défis-là, vous avez connu des succès. Avec La Tangente, on pense à La Passagère, Les Cascadeurs de l'amour, Requiem pour un trompettiste. Vous avez quand même eu un succès critique là, par rapport à ces productions-là. Oui, puis comment ça, T'es mort en anglais, tout récemment, l'année dernière aussi. Tout à fait. Mais oui, la seule difficulté, c'est que quand on joue à l'extérieur de Toronto, c'est chaleureusement reçu, ce qu'on fait. Et quand on présente ici à Toronto, c'est plus difficile. C'est pas chaleureux. Les gens qui viennent, l'accueil est toujours... C'est très apprécié. Ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux. C'est comme si ça ne se répand pas. C'est comme le bouche à oreille ne fonctionne pas trop. Et puis, Mais je pense que là, dorénavant, au lieu de ne cibler que les francophones, c'est peut-être l'erreur qu'on a faite. Maintenant, on offre en surtitre ou en traduction à l'oreille, maintenant, nos spectacles. Donc, on ouvre aux anglophones. Vous formez un couple, vous travaillez ensemble beaucoup, je pense qu'on peut dire. On travaille ensemble, on vit ensemble. Comment c'est ça? Est-ce que ça marche toujours super bien? Bon, la plupart du temps, on n'est pas d'accord. Ce qui fait que c'est probablement pour ça que la relation continue, que ça va bien, parce qu'on n'a pas fait le tour encore de l'autre. Je pense parce qu'on a des antécédents complètement différents puis qu'on voit les choses différemment, qu'on se nourrit l'un l'autre de nos différences. Et c'est ça qui fait que les projets nos projets sont pluridisciplinaires. On touche à des... la vidéo, la musique, le texte. Maintenant, on ajoute la danse avec Sylvie Bouchard, le projet Camille Claudel. Mais notre approche du travail est complètement différente. Ouais, moi, je suis le gros pinceau. Puis Louise. Les détails. C'est souvent comme ça. Moi, je vais défricher. Je vais apporter l'idée, je vais apporter des grosses lignes. Mais jusqu'à présent, c'était le texte. Mais c'est toujours à cause de Louise que le texte va être raffiné, va être vraiment poli jusqu'au détail où on va se rendre. Mais c'est vraiment ça. C'est le défrichage, c'est vraiment ma job. Aussi, tout ce qui est technique, tout ce qui est visuel, c'est surtout moi ce que je fais. Parlons de votre projet qui s'en vient. Vous l'avez mentionné il y a quelques instants, Camille Claudel. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est pour quand? On travaille ça cette année. On a déjà commencé à travailler avec Sylvie Bouchard. C'est quelque chose que moi, en lisant, j'ai lu une biographie de Camille Claudel. Et puis, j'étais très touché par l'histoire.
Et puis, j'ai été surtout touché par la photo de... ben, c'est une partie de l'œuvre qui s'appelle... L'implorant. Ben non, l'implorant, non, c'est la partie... C'est ça, de l'âge mûr, qui est un... qui est ni plus ni moins, c'est une sculpture c'est trois, de... En trois morceaux. En trois morceaux, c'est une sculpture d'une femme à genoux... Suppliant un homme qui quitte, qui s'éloigne avec une autre femme. Donc, c'est Rodin avec sa femme qui s'éloigne de Camille Claudel. Mais ça m'a tellement bouleversé. J'avais même pas vu la deuxième partie, j'ai juste vu la première photo. Puis j'ai dit, mon Dieu, comment est-ce que cette personne-là s'est rendue à créer cette œuvre-là, cette sculpture-là? Et puis, je sais pas pourquoi, automatiquement, j'ai pensé à Sylvie Bouchard. Parce qu'il y a quelque chose dans la façon que Sylvie bouge, qu'elle interprète ses personnages, qui c'est tellement incarné, des fois dans un mouvement qui est très simple ou même pas. Et puis, ça, j'ai fait un lien automatique, puis j'en ai parlé à Louis. Ça me fait penser à Sylvie, puis elle dit oui. Puis là, on a commencé à penser, bien, qu'est-ce qui nous inspire finalement? Moi, ça m'inspire à développer une histoire. Cette photo-là m'a inspiré. Sylvie aussi. Louise Aubert, quelle est la plus belle qualité de Claude Guinan? Oh! Tes cheveux. Sa plus belle qualité, son honnêteté. Et Claude, quelle est la plus belle qualité de Louise? Son intégrité. Une soirée tranquille à maison, qu'est-ce que vous faites? Je parle de théâtre. C'est comme difficile d'éviter. Ouais. Et c'est ce que vous aimez faire? Mon lit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.